Les Eredivore vont encore très nombreux. Nous avons passé plusieurs jours ici pour couvrir en exclusivité dans le cadre de vous informer à travers le groupe des médias Top 243 News pour chaque nouveau numéro d'actualité. Nous sommes ici à Lubumbashi pour vous donner l'intégralité de l'événement lié aux obsèques officielles du président de l'Assemblée provinciale au niveau de la province du Haut-Katanga. Tout a bien commencé pendant 3 jours. Nous étions ici avec vous pour vous donner l'essentiel lors de l'actualité. Vous allez suivre en exclusivité le groupe de médias Top 243 News. Mais juste à la fin, parce que vous avez constaté la présence du président de la République, le chef du gouvernement, restez connectés. Et du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que l'oraison funèbre de M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et enfin, la terre devient plus fraternelle et plus juste, ensemble priant le Seigneur.
Richard Grégorien et deux fois même plaisanté sur des choses qui pouvaient étonner, y compris rire de lui-même. Mais surtout, Papa, notre père, avait une forte personnalité, un tempérament vif, mais il n'était pas rancunier. Il s'étonnait même après les échanges, quand il revenait pour passer à une autre conversation, que ceux d'entre nous qui étaient frustrés continuent de ruminer cette rancœur, alors que pour lui, c'était manifestement passé. Et ses comportements en famille, il l'a transposé en politique. Il l'a transposé en politique parce que Baba n'était pas de ceux qui recyclent les rancœurs. Notre père était toujours tourné vers l'avenir et il ne considérait jamais, en politique comme dans la vie, une adversité comme étant une adversité permanente. Il était prêt à transcender son propre ego, à sublimer son orgueil, si l'adversaire d'hier acceptait de regarder dans la même direction. Baba attendait toujours la main de la fraternité. Ça, c'était notre père. En signant la lettre des 13 parlementaires, qui était l'acte fondateur dans lequel il a fait irruption avec fracas dans l'histoire contemporaine de notre pays, il a pris la somme de tous les risques. Être opposant dans un régime monolithique équivalait à encourir la peine de mort. Et cette peine s'exécutait. Pire encore, il a eu le courage, pendant qu'on interpellait à Kinshasa, très heureux de vous revoir encore, très nombreux vous qui nous suivez de partout dans le cadre de votre magazine d'actualité Top 243 News. Nous avons fait pratiquement plus de trois jours pour faire les décryptages dans la capitale économique de la République du Congo. Nous sommes ici pour la dernière cérémonie qui va intervenir pour l'enterrement du président de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga.
Vous avez suivi avec nous ensemble comment ça s'est déroulé du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés ici et ça sera désormais ici dans cette petite maisonnette. Ce n'est pas le Sphinx délimité cette fois, c'est le Baba de la province du Haut-Katanga qui va désormais. On va d'abord prendre les réactions de ceux qui ont participé à ces moments des obsèques et on va juste y revenir pour chiter ensemble avec vous. Pas de cérémonie ici, si ce n'est que la bénédiction du mausolée. Nous prions donc. Regretté Antoine Gabriel Kiongwa Kumanzi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même. Accorde la vie éternelle à notre frère, nous t'en prions. Et notre frère Gabriel, dans l'eau du baptême, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur. Des conseils
On n'a pas encore besoin de lui. Parce qu'à peine qu'on commence la politique, on a fait besoin de lui. Merci pour votre fidélité. Vous avez suivi le déroulement des obsèques du président de l'Assemblée provinciale, également celui qu'on appelle respectueusement dans ces coins, Baba. Vous avez suivi également des détails, tous ces déroulements de l'événement ici dans cette province. Merci pour votre fidélité. On reste connecté pour faire des découvertes dans d'autres domaines juste après nos séjours ici au niveau de la ville de Lubumbashi et plus précisément, comme je vous avais dit, dans la province du Haut-Katanga. À nous revoir très bientôt, mais continuez à nous suivre sur toutes les plateformes digitales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.